Nous sommes à Reno Beach. C'est pas la Californie, mais ça y ressemble. Alors, voilà un peu ce qu'on trouve sur la plage de Reno Beach. Et il y a même un vieux vélo. Voilà, alors choisissez. Vous avez gagné des vacances. Choisissez entre Reno Beach amont ou Reno Beach aval. On va voir un peu de plus près. Hein. Reno Beach. T'as emmené le maillot de bain? Alors, ça c'est un vieux vélo qui a dû faire la guerre. Alors un peu tout hein, sur Reno Beach là, hein, des vieilles bouteilles de whisky, des sodas, du pif, là c'est de la Desperados. Ah ouais, c'est interdit de faire de la pub à la télé quoi. Voilà, il y a deux coquillages quoi. Ben ceux-là ils ont pas eu de chance, hein. Ils sont en train de griller au soleil. À Reno Beach, c'est pas l'endroit pour faire du bronzage, hein. De la bronzette. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, du canard WC. Allez, un petit gros plan sur le canard WC. Une vieille godasse. Deux vieilles godasses. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Hein? Ah, il y a même de la Smirnoff à Reno Beach. Quoi. La Smirnoff. Voilà. Ici, il y a des vieux yaourts. Oh, il y a même du pissenlit qui pousse à Reno Beach. C'est du pissenlit ou du cannabis? Pour du cannabis, hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a encore là partout? Qu'est-ce qu'il y a encore partout par terre? Ah, il y en a des belles, des choses, hein, Reno Beach quand même. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont ramassé un peu de la merde, hein. Non? Il y en avait plus que ça, hein. Hein? J'ai l'impression qu'ils ont ramassé un peu quand même. Ok, là, du Framéto là par terre, là. Du Framéto ça, Reno Beach, là? Oh, c'est même fermé, je vais pas risquer de l'ouvrir. Si ça se trouve, c'est des. Des fioles remplies de virus, encore de. Des Russes qui veulent notre perte. Voilà. Bah sinon, c'est merveilleux, hein, la plage. Non? On a le bac. Tape End. Et sinon, en face, bah, on a la belle nature. On a une zone protégée où tu as les oiseaux d'Europe. On a même un port là-bas. Un port de plaisance et tout ça. Voilà. Et les braves pêcheurs là-bas qui pêchent, quoi. Ok, ils vont attraper des poissons au mercure. Ou à la dioxine, choisissez. Voilà, messieurs, mesdames, les contribuables, maintenant vous savez pourquoi vous payez beaucoup d'impôts. Et encore, par rapport à la photo, là, j'ai l'impression que, hein, il y a 15 jours, c'était le double de ça, hein.